Voilà. Compo que j'aime bien, comme je disais, ça je l'ai dit sur Twitter. Dès le début, j'aime bien la compo à gauche là. C'est que c'est pas ce matin, j'ouvre Twitter, je vois un mec qui tweet sur la compo, il dit quelle compo de merde, exit, tu pues la merde et tout. Je Je me pense que suis c'est dit. la meilleure compo de la map actuellement. Enfin. Je suis mort de rire à quel point les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, moi j'aime bien juste Sage discutable quoi, mais. Ah, je te jure que moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Je Genre, pense que c'est. tu peux jouer avec autre chose que Sage. Mais Gekko Bah. Kaio, Killjoy Viper, Ça te tu vois, sécurise c'est bien la parfait. chose. Par contre, moi, il y a un truc qui va m'énerver dans la game. C'est quand ils seront en attaque, mate. On va le voir un peu. Et c'est ce qui m'avait déjà un peu énervé. De toute façon, on va en parler, mais. Il y a un truc, faut qu'il. Enfin, qu'il bosse, malheureusement. Je sais pas si c'est un truc où tu bosses ou. C'est les gens qui sont comme ça, mais je trouve qu'il manque trop d'adaptation, les joueurs eux-mêmes, tu vois. Genre, ça se voit qu'il y a un call qui est prédéfini. Et sauf que, no matter what, ce qui se passe sur la map, on reste sur le call, tu vois. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Setup. Attendez, vous avez quel truc là? Vous avez écran? Vous avez mon écran, donc vous voyez si je fais ça. Ouais, vous voyez. Bushman, get it. On joue en anti-caillot. Anti-caillot. Moi, Merde. je suis là dans 10 minutes, fais ta vie. Ouais, t'inquiète, je suis ravi. Juste le problème de ça. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas l'info ici. On n'a pas l'info ici et on va se faire avoir sur ça. C'est pas grave que Beyaz meurt. Enfin, c'est pas grave, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. C'est un peu le principe. Là, Takas, il va enculer le Rhône, hein. Dans le bon sens du terme. On va parler de Vita aussi, on va parler de Vita. Mais là, on a l'info Gassage ou pas? On n'a pas l'info Gassage. Non, y a pas l'info. Ah. Ah, en fait, Sender et Runner, ils veulent jouer à leur tour après, tu vois. Genre, ils veulent respecter que c'est le trio joue en premier. Juste, bah, Takas, il a très bien réagi à ça. C'est qui? C'est Logan. En vrai. Ouais. En vrai, ils ont beaucoup peur des timings de safe, je crois. Là. Là, le wall, pourquoi pas. Ce qui me dérange, là. Le burger, là. Et ça, au point où on en est. Lui, tu peux le laisser faire sa vie. Lui, tu peux le laisser faire sa vie, honnêtement. Tu laisses faire sa vie le temps que Logan arrive là. Oh là là. Je fais un truc vite fait. Vas-y. On va remettre le round. Mettre ça, mais ouais. Du coup, là, en fait, le problème que je disais, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, ici tu le vois, ici ils sont trop collés. Et dans la décale, on va le voir. Dans la décale, on va le voir. Voilà. Là, les têtes sont limite assemblées. Après, ici, ce timing, voilà, sa mère. Si c'est pas mal tuer les deux, attends de quoi? En fait, c'est même pas question de. C'est même pas question de soi, c'est que c'est trop collé. Vous rappelez l'année dernière, Shin Zage versus Buster sur Lotus? C'est un peu la même situation. C'est encore différent puisque sur Lotus il y avait une sorte de haute. Enfin, il y avait le délire hauteur en bas, mais en fait c'est le délire de t'es trop collé. En plus, est-ce qu'il y avait du low HP? Nathan qui était low HP en plus de ça. En fait, c'est surtout ça, c'est que les deux sont pas full HP. C'est le plus grand danger ici. Voilà. Hâte de voir le round 2. Je vais même mettre le freestyle. Là, je sais pas, il fait quoi le frère? Vitality.
Mais du coup, moi je veux savoir, il fait quoi ici là? Je veux voir, il fait quoi après il AFK. Là, on a ça. Ah. Là, en vrai, j'en ai suffisamment parlé hier, mais. En fait, l'orbe elle me dérange pas. L'orbe elle me dérange pas. En fait, il y a le wall. Ça me dérange pas, mais attends qu'il y a une activité. C'est-à-dire, attends que. Attends ça. Attends que là ou là, il tire sur quelque chose. Attends quelque chose. Attends que lui. Après, lui, il doit être là aussi, tu vois. Mais même. C'est dommage, quoi. Ça donne une guardiane et quoi? Et là, Logan, bah, du coup, les balles traçantes. Alors, bah, en fait, il y en a eu beaucoup quand même. Le fait Après, il y a eu le fait qu'il arrose Wallers. On va mettre la fin de round, hein, puisque là, le round est déjà terminé. Que là, je pense qu'il a bien arrosé, le frère. Ah, c'est précipité de fou. Éviter Haiti, tu penses? T'en penses, Fati? T'en penses quoi? C'est pas que. Ouais, là, ça. Non, mais là. Mais attends, mais je crois qu'il était late hein, pour la flash. Hein. En fait, il était late, les gars, pour la flash. Il était late pour la flash. Oh, regardez. Je vais vous le mettre sous cette POV là. Regardez. La flash, en fait. Il est toujours pas là. Là, la flash, elle a pété. Lui, il est toujours pas là. Alors, j'en pense quoi? Mate a bien joué, a très bien step up. Ils ont très bien... Ce que je vais appeler arnaquer, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est juste leur compo, surtout sur Sunset, en fait. C'est Sunset, c'est... Il y a un monde où, prochain match, s'ils refont la même chose, ça se passe pas du tout de la même manière. Ou s'ils renouvellent pas leur jeu, même en jouant la même compo. Mais c'est pour ça que quand je dis arnaque, c'est un peu les compos cheese, comme ça. Donc voilà. On est reparti. Il a une pose de merde alors, non? Pourquoi il commet jusqu'à se foutre derrière la box? Tu parles de qui, Parax? J'ai pas entendu. Enfin, j'ai pas capté, tu parlais de qui? J'ai pas capté, tu parles de qui? Wellers. En fait, Wellers, c'est juste qu'il était late. Hein. En fait, je sais pas. Regardez au freestyle, observez bien au freestyle. En fait, t'es en LAN. Ah, attends, il y a un truc qui me dérange. Oh, c'est plus accessible. Ok. Ok. Alors regarde, il est là et il met des pauses, il met des temps d'arrêt à chaque fois. En fait, il est AFK, tu sais pas ce qu'il fait. Ah, peut-être il se gratte IRL, il boit de l'eau, je sais pas, tu vois. Ah bon. Moi, je sors ma ça ou quoi? Mais on va faire les pro. En vrai, je voulais tweeter un peu les scénarios de playoff. Bah, surtout pour casser, je voulais le faire. Et je vais attendre le match de ce soir de BBL notamment. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup trop de scénarios. Et que. Parce que, en fait, BBL a trop de matchs à gagner. Oh, à jouer encore. Ils ont encore 3 matchs à jouer, BBL. Mais. Mec, pourrait peut-être le faire ou je sais pas, je vais voir. En plus, puisque je regardais tout à l'heure, on parlait un peu avec Brahms là, mais. Attends, mate. Ils ont encore un match à jouer. Ah ouais, mate, c'est très simple. Hein. Mate, c'est très très simple. Ils gagnent leur match, Heretics perdent, ils sont qualifiés. Si mate gagne leur match, Fut perdent leurs deux matchs.
Pareil, ils sont qualifiés. C'est aussi simple que ça. C'est... voilà. Mais par contre, ils sont obligés d'avoir... Faut qu'il y ait une des deux équipes qui perde parce qu'ils ont... Bah, en fait, quand ils ont perdu, ils ont bien perdu des 2-0. Du coup, ils sont pas en avantage du tout. Attends, le début, on est qu'au deuxième round. Ce que je disais, les compos de Gentleman, j'aime beaucoup. Vitality, j'avais pas parlé. Raze, c'est toujours le même. En fait, Gekko Kaio, j'aime beaucoup. La méta Gekko Kaio, j'aime beaucoup. Je préfère Sage. Maintenant, t'as Raze, c'est pas déconnant. Pas déconnant, tu vois, sur des retakes, t'as beaucoup, enfin, t'as plus de stuff qui vont casser les couilles, quoi, qui vont désonner les choses. Ils vont battre les couilles, je pense. Ils ont des chances, ils ont leurs chances. En vrai, ils tentent un truc ballsy. Il va tenter un truc ballsy. Ils sont encore en anti-caillot au niveau du... Ils sont encore niveau anti-caillot au niveau du B. Plutôt, ça spot Killjoy. Ils sont en mode tatage de terrain s'il y a une agression ou quoi. Je pense que le renouvellement du couteau là. Ah, il était destiné à se faire décale. Ah, safe, il voulait décale. Mais je pense que... Ah ouais, le fait qu'il le mette deep comme ça, ça montre qu'il est en... Parce que l'angle, il n'y a que deux comme ça que tu peux le mettre. Et du coup... Alors que si tu le mets droit en face de toi... Ou même tu le mets en hauteur. Sart, tu le mets en hauteur, c'est pas grave. Hauteur, t'as un petit doute. On va passer le round, non. Il part sur un défaut. Il part sur un défaut cassé... cassé chez un fmate. Et Vita... Ouais, ça va jouer autour dur. Ça respecte couteau. Ce couteau qui est très fort pour le deny le pipe, c'est... Qui prend aussi le... Qui prend aussi l'orbe, au niveau de l'orbe. Là, là, à ce moment-là, j'ai dit la game elle est perdue. Pour moi, le BO était perdu, c'était fin de saison, mais je le dis honnêtement. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a une Bulldog, une Guardian, une Bulldog, une Stinger. Si on est en full round armé, on décide de faire un move assez dangereux quand même. Enfin, assez agressif. Ça va juste save, ce qui est normal. On va passer. Et là le problème c'est que c'est une écho. Le cycle de la haine et de l'écho. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et on rappelle les gars, Gecko, les Gecko Kaio normalement c'est très dur de jouer en BP. En plus, encore plus quand il y a une raise. Normalement c'est très très dur de jouer BP sur BP1. Est-ce qu'il peut récupérer sa flash? Non, il peut pas récupérer sa flash. En fait, c'est le cas si Gecko a sa flash, bien évidemment. Là, il y a l'ulti Gecko. Il y a 4 mecs, hein. Et là... Là, c'est très important. Killjoy. Plus de tourelle. Lui, regardez comment il va bouger. Et là, c'est en fait, c'est dommage. C'est mate. Là, ça crie Joker, Joker. Ou je sais pas c'est quoi s'ils ont moqué ou pas. Mais là, il y a personne qui doit mourir. Là, il y a vraiment personne qui doit mourir. Et là, il y a du 2 pour 2. Ce qui est dommage. Et du coup, voilà. Je suis safe, j'explose mon écran. Une qualif en playoff de mid, ça remet en cause l'idée de changement dans l'avance. Une non-qualif, tu veux dire, ou une qualif? Ah ouais, hein. Le gars, il est detain, de toute façon, il n'y a rien à faire, il a pris son kill, il avait un HP, c'est tout bénef. Mais là, en fait,
Ça, j'avais pas vu ça comme ça hier. Mais là, Vita, ils font n'importe quoi. Ça repère 4 mecs, ça juste, c'est de l'écho, ça veut croquer. Alors que ça peut piquer. Je vais remettre, hein. Là, il y a un couteau, là. Là, regardez. Hein. Juste de la POV de Trex. Il y a un mec qui peut décaler là. Il y a un mec qui peut décaler là. Il y a un mec qui peut décaler là. Il y a un mec qui peut décaler là. Il y a un mec qui peut décaler là. Il y a un mec qui peut décaler là. Ça peut décaler de tous ces angles, plus ou moins. Et encore, je parle que côté de la gauche. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être là. Vous voyez. Il y a... Il y a là, pareil. Bon, après, il y a la smoke. Il y a la smoke Viper, mais... Comment Takas, il prend un kill? Parce que là, il y a un kill sur Beaz. C'est très bien. Ah, bah... Sender Keeper. Comme ça, le frère. C'est revenge, hein. Et là, bah voilà. Là, le meilleur exemple, c'est Trex. Je veux voir au moment où il meurt. Comme je disais, hein, là... Bah, il a tué le mec, là. Ça, il l'a tué, ok. Là ou là. Bon, ici, ça n'a pas d'écal, donc vas-y, y'a rien. Donc, on est sur 3 possibilités. Voilà. Voilà, il a mis la patate qu'il fallait. Et il peut potentiellement se faire une double décale par le Rafter Zander. Il n'y a pas eu lieu, mais voilà. Bref. Mon round 1, je pense que safe, il review ce round, il a envie d'enculer son écran. Parce qu'ils doivent jamais le mettre. En vrai, vu que le couteau n'est pas détruit, ils doivent jamais le mettre. Ils doivent vraiment jamais le mettre, mate. Mais bien joué. Bien joué, hein. Ils ont mis les shots, ils ont saisi l'opportunité. Du coup, ça les relance. En vrai, ça les relance mentalement, puisque là, mate, on rappelle, ils sont dans un momentum horrible. Ils ont mis le pistol, ils ont perdu un round, ils ont une tout, ils ont perdu un round armé, etc. Ils sont renvoyés en écho. Et là, c'est les armes dedans. Ça les a remis dedans. Travaillant à... Il y a une agression mid pour détruire la Twilight Killjoy. En fait, il y a un truc qui me dérange. Ah, il y a plusieurs trucs qui me dérangent. C'est qu'en gros, on avait... Je vais remettre un peu avant. C'est qu'on avait tout le stuff de... On avait tout le stuff de Killjoy ici, en A. Donc on sait qu'il n'y a rien mid. On sait qu'il n'y a rien mid, et côté Vita, l'info, elle a été donnée. L'info, elle a été donnée. Wellers, il a push son B, il n'y a pas de souci. Il y a une chose que j'ai stipulée hier, tu vois. Mais du coup, lui, il sait qu'il ne sera pas dérangé par une tourelle. Voilà. Ça, là. Ça, lui, il faut qu'il le stipule. Parce que là, celui qui va le tuer, c'est Sender. Et là, le problème, c'est soit Wellers, pour moi, il décale instant. Soit il décale instant sur un bot, soit il décale pas. Et le problème, c'est qu'en fait, il est trop hésitant. Je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre, Wellers, il est pas en confiance et tout. Mais là, Wellers, il doit... En fait, le plus important, c'est un alarm bot mid. On va le plan, on va regarder. Comme ça, on va voir directement la range. Icebox, alarm bot, c'est où Kaji? Il y a un alarm bot là, ça veut dire qu'il est dans cette range. Ça veut dire qu'il est dans cette range. Et plus probablement, le plus probable, il peut être là, tu vois, mais ça, non. Donc s'il y en a un qui le tue et que c'est pas la Killjoy, ça veut dire qu'il est dans cette zone. Ça veut dire qu'il est dans cette zone. Et ça, malheureusement, il n'y a pas eu l'info. Ça, il n'y a pas eu l'info. Il peut être ici, là, mais vas-y. Genre, quand même, danger. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Lurk on the back end and Wailers is no more. Il y a quoi? Ne me dis pas, il y a un ulti gecko. Ouais, le problème, c'est qu'il y a un ulti gecko, mais il y a un caillou en face. En plus, il se fait nade et tout. Il meurt de la nade, non? Et là, en vrai, il est trauma du round d'avant. Je vous le dis honnêtement, il est trauma du round d'avant. Ah bah d'ailleurs. Ah bah ça le dit, hein. En fait, ça le dit. Ça le dit à...
En fait, le problème, c'est que ça le dit, ça se jute. Mais j'ai l'impression que le temps de réaction est trop lent entre eux. En fait, là, j'ai l'impression, Nathan qui regarde le mur. C'est trop longtemps après. C'est beaucoup trop longtemps après. Et Safe, en vrai, il est trauma du round d'avant. Et surtout, vu que c'est silence, il joue pas trop rapidement. Il sait très bien qu'il peut être regardé. Du coup, il attend que ça reprend. Il attend vraiment que ça reprend. Il joue intelligemment, Safe. Après, il en fait qu'un ici, je crois, non? Ouais, il en fait qu'un. Là, ils vont save, hein. Attends, tu m'as dit parce que l'ambiance avant le match contre Vita IA était plutôt au changement. En vrai, ça, on peut pas le savoir. Hein. Enfin, ça, il n'y a que en interne, il hein, n'y a que les mecs dans l'équipe qui veulent le savoir, tu vois. Et cette info, elle sera vraiment donnée dans d'autres situations. C'est tellement dur. Non, en vrai. En fait, pour moi, t'es obligé de la donner. Si tu parles de l'alarme bot, là. En fait. Si. Comment ça s'appelle? Les gars, on joue. Je vais dire on, hein, désolé. On va dire on joue entre. Allez, on va dire on joue 8 heures par jour. 8 heures, je suis gentil. Non, en vrai, on joue 8 heures par jour. Sans parler théorie, etc. Tous les jours, 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 tous les jours. On joue les persos, on joue contre ces persos-là. Ça veut dire qu'on sait. Hey, il y a un truc, c'est comme si. Hey, lumière rouge, tu tapes. Tu vois le délire ou pas? C'est pareil. Mais ouais. Je pense que t'es obligé, tu vois. Après, je comprends, t'as la pression, t'as la com, ça se trouve, la com, elle a été donnée, elle a pas été écoutée. Encore une fois, les gars, je mets des pincettes dans ce que je dis parce que ça se trouve, Wellers l'a dit et que personne ne l'a calculé. Hein, et qu'il a dû crier 50 fois sa mère pour qu'on l'entende. Ça, c'est. Et souvent dans des équipes, ça arrive, mais. En fait, vu qu'il s'est rien passé pendant un laps de temps, pendant longtemps, je suis en mode, bah vas-y, faut lâcher la com, quoi. Ah, couteau pour couteau, réagression mid. C'est bien, le search and destroy mid là, il est bien là. Flash mid. Flash mid, ils détruisent la tour. En vrai, c'est très bien ce qu'ils font là. Ça met une pression. Oh là, le round. Là, le round de Vitality, j'aime beaucoup. En gros, là, il va avoir la mollo, exec et tout. Wellers, il va lâcher. Wellers va lâcher. Là, je suis juste un peu déçu. Que. En fait. Normalement, je suis désolé. Vu que c'est un wingman qui plante, tu sais à quel timing. Normalement, tu sais que c'est trop tard d'envoyer une mollo. Vu que tu one-shot pas avec un coup de, un tick de mollo. C'est-à-dire, pour moi, là, Beyaz, au moment où il se rend compte que c'est trop tard, il essaye de spray, c'est tout. Et il garde sa mollo pour la high-tech. Mais là, le mieux, là. Enfin, le Runa. Très intéressant. Regardez l'ulti. À droite de la caisse. À droite de la caisse. Et là, hier, je l'avais montré ça hier un peu. Mais genre. Genre tout là, là. Et en fait, cet espace-là, là. Cet espace-là, bim. Ça va éteindre. Vous allez voir. Vous allez comprendre. Là, ils se sont dit, il y a un truc à droite, ouais, c'est bien et tout. Du coup, hop, les gens, ils font quoi naturellement? Regardez. Regardez là, les trois, là. C'est très bien joué. Hop. Hop là. Et là, ils sont tous blancs. Enfin, les deux sont blancs. Juste, là, il y a un problème de com. Honnêtement, il y a un problème de com chez eux, là. Mmh.
Là, je veux voir un truc. Je veux revenir sur le round, puisque je sais pas comment ils mettent le round, malgré tout ça. En vrai, c'est dommage, ici, il a qu'une balle. Et une molo. En fait, la moitié, elle a été faite. En vrai... Hier, ça disait Wellers, il a niqué le round avec la 1-1, mais je pense qu'il l'a fait gagner. Hein. Parce qu'il fait faire des décales bizarres et tout. Je vous jure, il fait faire des décales bizarres. Déjà, je pense que la 1-1 était bien. Et puis sa mère, l'ulti. Tu parles de quoi, l'ulti Killjoy ou l'ulti Gecko? L'ulti Gecko, c'est pour deny la diffuse. Non, l'ulti Killjoy, comme je t'ai expliqué. En fait, il est mis volontairement pour laisser l'espace sur le côté. Et en gros, Kayo, il balance. En gros, les ennemis. Et je vais te remontrer. Donc là, mate. Là, mate, regarde. Ils sont obligés d'aller dans ce couloir. Même eux, ils se sentent obligés. Et sur ce timing-là, regarde la flash de Kayo qui pop. En gros, ils sont tous là, il n'y a personne qui peut jouer derrière le jaune caché. Et en gros, ça force la blanc comme ça. Et il est vraiment bien. En fait, c'est en mode... tu laisses une brèche volontairement pour les punir dessus. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage, Sender. Mais là, tout ça, c'est des runes qui... Enfin, ça, c'est des runes que Vita va pas perdre. Hein. Là, ils ont perdu deux runes déjà. Ils ont perdu deux rounds qu'ils doivent pas perdre. Ils ont vraiment perdu deux rounds qu'ils doivent pas perdre. En vrai, celui-là, il est négociable à la limite. Celui-là, il se négocie, mais... Je pense que t'es quand même très très frustré... quand t'es joueur de Vita de pas mettre ce round. Parce qu'il y a ulti Gecko, ulti Killjoy qui est claqué quand même. Donc bon. Il avait un chargeur. Oui, ça change tout. Genre, il fait moins 2, il a gagné le round. En fait, le moins 2, il est trop important ici. Et le problème, c'est que c'est le point d'appui. C'est pas comme si c'était deux jaunes ou quoi. C'est le point d'appui au niveau du jaune. Et après, on le voit, Wellers, en fait, il va jaune, etc. Et tout le monde est dans la longue. Là, il détruise la tourelle, là, dans le mid. Toujours, hein. C'est bien. Hein. C'est bien. Hein. Et là, c'est dépôt. Parce qu'ils se disent... Là, ils sont en mode, vas-y, safe, on va le récupérer. Il aime bien. Là, depuis tout à l'heure, il nous casse les couilles dans le mid. On lâche un mec. Hop. Là, c'était Sender qui allait. Et du coup, là, ils ont plus de smoke. Là, t'as plus de smoke. Ton round est fini. Ouais. Logan qui fait tomber. Attention. En fait, là, la plante B, là, sans rôle de Viper, c'est bizarre. Là, pour moi... Là, t'es dans la situation de... Comment ça s'appelle? T'es dans la situation de Vita, ta Viper elle est morte. T'as quoi comme ulti? T'as ulti Kayo qui est parti? Vous savez que je pense que t'actives même pas l'ulti Kayo. Ça, je pense que t'actives même pas l'ulti Kayo. Ouais, peut-être. En vrai, non, en vrai, je comprends. Tu peux l'activer et tu joues IM Map. En vrai, si, c'est bien, c'est bien. C'est bien qu'il soit activé. Comme ça, t'as un IM Map, y'a pas de délire de mollo ou quoi. Mais par contre, je pense que. Soit t'envoies le Wigman, mais tu te dis pas qu'il va planter et en fait, tu te fights vraiment loin. En fait, là, l'objectif, c'est que tu te fight. Pour moi, t'es obligé de te fight. Là, pour moi, le wingman, quand tu l'envoies, il faut que t'as des gars prêts à décaler là, déjà, de partout, genre. Genre, faut pas qu'on soit juste stuck là, pas en train de courir et pas encore positionné. Qu'on a encore les flashs de clics et tout. Et là, Runner, il joue, hein. Runner, il sait qu'il doit jouer. Il le comprend, mais là, ça joue un par un sur Logan, là. Et là, ça s'enfonce, hein. Là, c'est bien, il joue pas. Là ouais, là, c'est dangereux ce qu'il fait. Coller au mur. Ouais, ouais bah, c'est mérité, Wellers. Ça, j'ai remarqué un truc. C'est surtout chez Beyaz. Je dis chez Beyaz parce que je le connais un peu plus, tu vois, comment il joue. Wellers, je fais pas vraiment. Enfin, je fais pas trop gaffe. Beyaz, j'ai remarqué. Et vous allez le voir après, je vais vous montrer un duel. Et c'est là où j'ai vraiment compris. Je fais. Beyaz, je pense, il réfléchit pas comment. Il réfléchit beaucoup à l'équipe, à voilà, le stuff, etc. Mais il réfléchit pas tant que... Enfin... Pas tant que ça. Quand je dis pas tant que ça, quand tu compares à les Suédois, là, Léo, Safe, etc. Comment prendre leur duel. Ou même plein de joueurs de niveau VCT. Je vais m'expliquer. C'est dans les décales ou quoi que ce soit. C'est que... Ça les éteint. Il les éteint individuellement s'il éteint. Mais je dis pas, ok, dans mes déplacements...
Proche, loin du mur. Est-ce que là je décale, je décale pas. Il se pose pas toutes ces questions là, j'ai l'impression. Et ça veut dire, c'est juste. En fait, c'est dans la mentalité CS. Ok, il y a un duel, il décale. S'il doit décale, il garde la ligne. S'il doit garder la ligne. Fin. Il se dit pas, il est en avantage, il est en désavantage, j'ai l'impression. En fait, tu peux forcer B, mais comme j'ai dit, il faut mettre du stuff. Enfin, faut jouer pour se fight, faut pas jouer pour planter là. Ouais. Les gars, la règle du stratbook, hein, que ce soit sur Breeze ou. Enfin, souvent en vrai. En général, partout vous connaissez. C'est dire Icebox Breeze, mais en fait, partout il y a Viper. Là où il y a un ulti Viper, souvent tu vas split sa grand-mère à ce BP là. Voilà. Tu vas vouloir split ce BP là parce que les gens vont jouer à 2. Vont pas rester à 3 là où il y a un ulti Viper sur BP. Et le genre, faut pas forcer 5-0. Ça, maintenant tout le monde le sait. Donc c'est soit tu joues. Tu split. Soit tu décides d'aller sur le BP opposé. Tu peux, mais t'acceptes qu'ils sont 3. Quoi. Non, mais de toute façon, les Suédois, enfin, quand je dis les Suédois, leur groupe là, ils ont toujours, toujours été forts sur ça. Genre, ils ont toujours eu un temps d'avance. En mode. Ils savent comment décaler, etc. Et ça, ils l'ont très, très bien compris. Et c'est pour ça que quand. Si vous voulez réfléchir intelligemment à comment décale, je pense que. Les Suédois, ils sont forts pour ça. Le solo safe. Après, c'est, je pense que c'est très situationnel. Tu peux, mais c'est très situationnel et il faut que tu as un plan établi et que tu as de l'espace, t'as l'espace que tu veux en échange. Genre, tu peux pas juste faire un chouchou. Tu peux pas juste faire un chouchou comme ça, hop, 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 à 5. Et genre, à 5, tu vois. Et genre, en mode, t'as personne là ou quoi, ou même là pour venir récupérer ou quoi. Genre, t'es obligé d'avoir de la coupe ou quoi. Ou sinon, si tu fais un 5-0 chouchou comme ça, faut vraiment que tu te dispatches. Tu te dispatches très rapidement comme ça. Comme ça. Je sais pas, genre, je parle au pif selon comment tu plantes, mais. Ah, si, quoi. Ah, bah, c'est ce round là, les gars. Vous voyez le round où. J'ai dit tout à l'heure, je vous parlerai de Beaz dans cette. Enfin. Dans la flexion de duel, etc. Là, vous voyez. Là, il se dit pas, il. Enfin. Genre, dans son duel, il y a eu l'alarme bot. Il s'est pas dit, il y a une décale large pour aller punir le mec à droite, sachant que les mecs vont soit garder la visu, soit vont courir. Wellers, il les a éteints. Wellers, il overheat ici. Grave. En fait, ce que je dis par rapport à Béa, c'est pas grave. C'est pas un truc grave, en vrai de vrai. Mais c'est un truc qui peut le permettre de devenir meilleur. Je pense. Hier, j'ai la même satchel que. Ah, Ronner, il a fait une petite folie. Calme. Du coup. Mais vous savez que. Vous savez que je suis fasciné. Par contre, je suis fasciné d'un truc, c'est que tous les runes, ils font la même chose. Tous les runes, ils font la même chose. Et que là, il n'y a pas eu un truc pour attraper les joueurs de mate, là. Tous les runes, les gars. On a deux mecs là, on a Beaz ici, Flash. Tous les runes, ils viennent, ils détruisent la tourelle. Et là, je pense qu'il le savait. Normalement, il le savait. Il a voulu mettre safe, il a voulu bait. Et... Mais sauf que. Les gars, ils le font pas gratuitement. Il y a une flash qui part dessus. Si c'est pas la flash de Gecko. Parce qu'il n'y a pas de reveal de Sova. Et. Voilà, malheureusement. En fait, safe avait entre guillemets la ride.
Mais il a pas. J'ai l'impression qu'il a pas calculé qu'il y avait une flash. Et là, Runners, il a enculé le Rhône. Hein. Bah hop, hop, ouais, Lurz, ouais. Ah ouais, Lurz, faut savoir s'arrêter, le frère. T'as fait ton taf. T'as fait ton job. Salam. Là, pour moi aussi. Tu sais que pour moi. Je pense qu'il manque un peu de d'intelligence côté Vitality. Ils savent que depuis tout à l'heure, de toute façon c'est Icebox les gars. Depuis 2021, elle est là, je crois. Tu sais que les gens en B ils vont te deny. Et on sait qu'il y a Viper. Eh, c'est simple. Au lieu d'envoyer ton Wingman dès le début, à moins que tu aies garanti de pouvoir planter en 4v5, tu fais fake plante. Hop! Tu quittes le BP, t'as encore ton Wingman. Là, il y a tout le stuff qui est claqué. Oh, ça là, mais après, tu repars. Oh, j'arrive pas à éternuer, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté, j'arrive pas à éternuer. En vrai, dommage, on n'a pas un indicateur de fuel pour. Voilà, aucun moment on est. Attends. À aucun moment on est sur Sender. J'aimerais bien savoir Sender son fuel il est comment. Mais par contre, il y a un truc que je vais stipuler aussi. Il n'y a jamais de search and destroy mid. Là où Maid le font très bien, ils détruisent tout le temps le stuff mid. Vita, je l'ai jamais vu le faire quasi. Là, il est silence. Déjà, il a le temps de récupérer son fuel. On est sur la sortie. Non, ouais, non, ça marche pas. Mais. En vrai, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il baisse le fuel? En vrai, je pense qu'il devrait pas baisser le fuel. Hein. L'ulti, il pue la merde hein, de Logan. Hein. Mon seul argument, c'est qu'il a pas de fuel, mais j'y crois pas trop. Il vient de le monter à peine. Il était silence. Frère, ça ping, ça le détruit. Je sais pas. Started to work out what their opponents are doing, these early fights going their way, but also just again, this is one of the flaws of the composition that's being run by either. Well, no, when you have that sage wall, mate, ça clique, c'est ce qui leur manquait déjà contre cassé. On leur disait, c'est le premier truc. Il y a, mais il y a, ouais, il a dit, je vous baisse, mais il y a des bons trucs, tu vois. Il y a des, il y a des bons trucs, honnêtement, mais Vita joue mal, hein. Vita joue mal. Ah. Là, j'aurais aimé un wall-up. Soit tu gardes la visu comme ça, soit tu gardes la visu. Parce qu'en plus, on les voit garder la visu belt. Attendez. On voit Beyaz garder la visu belt. En plus, il le ping. C'est-à-dire, il a la visu. Il a pas besoin de décal, la tank. Hein. Qu'est-ce qu'il fait son ulti? Mais, du coup, ça claque. Là, pareil, ça envoie le stuff, ça claque en mode. Il y a encore le wall-up et tout. Et c'est un peu bourbier, et même l'ulti il est pas fou. Ouais, ah ouais, non, ouais, ok, si. En fait, si, je vois c'est quoi. Ok, si. L'ulti en fait, c'est un ulti. Ok, je vois c'est quel ulti. En fait, l'ulti il est volontaire comme ça. Là, ils ont pas réussi à planter, ils ont tout le backside. Ah,
Oh bah y'a un timing de baiser. Ah ouais, Cass a eu beaucoup de réussite aussi hein, sur 100. J'ai rien à dire, non j'ai rien à dire, les a éteints. Là Wellers il fait peur hein. Wellers pour moi il fait peur hein, parce que... Là tu perds le duel. Là tu perds le duel, Logan il a juste le temps de faire la moitié. Attends, est-ce qu'il avait des infos HP? Ah il savait midlife peut-être. Non, ils savent qu'ils lui mettent juste 40. Et ils savent pas qu'il a un petit shield. Ça veut dire que... C'est dangereux, Wellers, hein. Ils mettent le rune, hein. Ils mettent le rune, mais... Attention. Attention. Comme j'ai dit au round 2, ils ont besoin de discipline. Ils ont besoin de discipline. Ah, Logan il a pas voulu. Logan il sait qu'il était là tout à l'heure, il voulait pas se faire avoir, du coup il a pas décalé. Là il a joué intelligemment, juste bah là il a. Il s'est rien passé, malheureusement pour lui. Et là ça part en couille. Hein. C'est en mode on a pas clear la longue. En fait y'a pas de reveal, ça va ou quoi. Il y a pas eu de couteau. Le couteau il est où? Trex il a mis le couteau. Mec, il met où son couteau? Il l'a balancé, il le met où? Il y en a deux qui sont spot dans la longue. En plus, il y en a deux qui sont spot dans la longue, là, je suis pas fou. Il y en a deux qui sont... Ouais, ils sont spot, là. Ça veut dire, on sait qu'il y a des mecs B-longues. Mais Runners, il nous fait de la folie, le frère. On le sait, du coup on claque Boombot Flash. Et le Boombot Flash... Ça clear rien du tout. Et là c'est 4v5, ils ont le ticket de jam, mais bon... Et du coup ils perdent la... Oh là là. Ah non, Vita c'est plus grave que ce que je pensais. Hein. Ah, Vita, c'est bien plus grave que ce que je pensais. Et est-ce que tu plantes vraiment comme ça? Est-ce que tu plantes vraiment en haut quand t'es en 4v5 et t'as pas ta raise? Ton wall, il est en B, du coup. Je suis pas sûr du plat avant. Après, là... Pour la défense de... Quand même, pour la défense de Kix, regardez sur Mar de Aziz, là. Regardez sur Mar, il fait quoi, là? Regardez. Regardez, il sautille, il bug, là. Il bug pendant 10 minutes, là. Ça fait 10 minutes, il est bloqué. Et du coup, au timing où il devait passer, bah, il y a la Molo qui approc. Et du coup, elle tombe. Des slow sage. Non, je crois pas, hein. Tu penses? Peut-être, hein. T'as peut-être raison. Hein. Ah, oui. Ah, si, t'as raison. Il bug pas. Non. Bien vu. Toi, t'as l'œil, toi. Attends, c'est pas Samish. Non, c'est jamais Samish. Si, c'est Samish. Ah, mais c'est pour ça que toi, t'as l'œil, toi. C'est quoi, Samish? Ah non, c'est le slow, bien vu. Ouschman Guelet. Wesh, tu m'as fait peur, toi c'est 10 minutes frère. Toi t'es 10 minutes c'est... Non mais je rentre de l'usine là. Ah ouais, ok. Bah, attends, mais là tu dois pas aller chez le dentiste là. Oh, t'as quoi que le dentiste là, putain. Même tout à l'heure t'as dit dentiste frère. Le bureau là. Il joue au taf. Mais ouais, pour revenir sur le truc Gecko, parce que ça arrive souvent, sur Bind surtout. Ou des fois ils pètent les plombs, fils de pute de Aziz là, et genre ils stuck pendant 10 minutes.
Ah, c'est du... Il a écouté tonton Fassi. Ça va te baiser, toi. Ah, tu sais que Vita, c'est encore plus horrible que je pensais, frère. Ah, frère, il n'y a pas de match, frère. Ah, le problème, c'est que... En vrai, Vita, ils avaient le match. Enfin, ils avaient le... Tout à l'heure, t'es sur Xbox ? Ouais. Ok, ok. Ils avaient le match. Et là, j'ai fait que le premier side. Wesh, professeur Fassi, hein. Non, parce qu'après, je parlais, je sais pas quand t'étais là, mais je parlais du... Je parlais de comment ça s'appelle, on regardait le classement aussi au bout d'un moment. On parlait du classement pendant un petit 10 minutes, je pense. Mais je vais dire quoi. En fait, ce que je disais, tu vois, c'est que Vita, ils étaient trop bien mentalement, tu vois. Ils avaient mis Mate au fond dès le début de la game. Et tu sais ce petit round d'enculé, où tu sais que t'as gagné le round contre de l'écho, mais les gens, ils veulent pas juste être disciplinés, du coup tu perds l'écho. Eh bah ça a relancé Mate, voilà. Ça a relancé Mate et à l'inverse ça a mis Vita au fond, voilà. Tant pis pour eux, frère. Ils sont sur des scènes comme ça, ils sont... Ils font encore les mêmes erreurs, frère. Ils méritent de perdre, gros. Oh, Beyaz. Mais on dirait les flashs de Brahms, les gars, regardez, regardez. Mais moi, elle est où la flash, gros? Mais elle a tapé dans le truc. Mais je pense qu'il a voulu jump, jump throw, et il a oublié le jump, quoi. Et la throw, mais il a pas jump. Il a fallu retomber, là, la flash. Ah, t'es pas où elle est, là. Elle est là. Ah, ouais. Il s'est même blanc. Ah, ils ont mis la retake, quand même, les frères. Ah, après, c'est 4v3. Genre, il joue très haut, en face. Il est retourné, et Beyaz, il l'a tué. Ça mange free. Mais en vrai, en plus, il le voit pas de derrière de mémoire, là, ici. Il peut rester ici, non? Je sais pas. En vrai, leur afterplant, il a aucun sens, là, aussi, pour Vital, hein. Bah là, ils sont en mode désavantage, en fait, ils veulent jouer l'équipe, quoi. T'as un mec qui joue haut, mais le problème, c'est que c'est impossible. Il y a aucune position où ses collègues, ils peuvent l'aider. Au lieu de le laisser mourir, ils se mettent dans des positions, eux aussi, où ils se mettent dans la merde. Et du coup... Ouais, Trek, je pense pas qu'il se mette tant dans la merde. En fait, je pense... Une position de merde, frère. Vu qu'il y a le mur qui va à droite, frère, c'est tellement une position de merde, ça. Hein. Le mur de Viper? Ouais. En fait, tant qu'il est pas activé, surtout qu'il vient de se disable de mémoire, regarde, vu qu'il est encore jaune. C'est fine, ouais, mais... Ouais, mais... Parce que là, regarde, en gros, là, le wall, il est up. Là, il le cross pour garder son... Mais ah, mais c'est pour ça... C'est tellement une position de merde, même si le mur il est down, parce que les mecs qui décalent du screen, ils ont tellement l'avantage sur un mec qui garde la visu. Tu sais ce qui s'est passé là? Regarde ce qui s'est passé, je viens de comprendre. Là, tu vois Kix, il garde la visu. Regarde Trex. Trex, il dit, ok, j'ai ton screen. Ouais. Et il se fait baiser à ce timing là, du coup. Ah, mais même dans tous les cas, frère. Ah, en fait, pour moi... Le gène, c'est trop difficile à jouer, frère. En fait, moi je te jure, il me dérange pas tant que ça. En 3v4, hein. 3v4, parce que... Il y a aussi un autre truc que je comprends pas. Tu peux reculer le round vite fait? Parce que là, il pose, tu vois, il pose très très bien même. Il pose très 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 bien. Après, il y a Wingman. Recule encore un petit peu plus. Le Wingman, il vient d'être claqué, ils peuvent le récupérer BP. Regarde, là, tout le temps qu'ils ont pour se replacer, le spike, il est tellement bien placé, frère. Ah, moi, je pense qu'ils sont en mode 3v4. Moi je comprends l'idée de 3v4, je te jure, je comprends l'idée de... Le BP de Icebox, il pue la merde, frère. Tu peux pas rester... Toi, Kix, sa position, c'est moins 2 ou t'es mort. Frère, c'est impossible d'avoir de la cohérence avec ses collègues sur un BP comme ça. Ça, je suis d'accord sur toi, c'est qu'en mode, lui, il est en mode suicide. En gros, il joue suicide et c'est tout. Mais moi je te dis, moi ça me va qu'il joue en mode suicide. Jusque là, les deux, là... Ils peuvent rien faire pour lui. Ils doivent jouer pour E2, en mode pour E2. Oh, attends, non, c'est bizarre. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est bizarre les dessins que je fais. Ils doivent jouer pour E2, mais genre, ils peuvent jouer de manière agressive, mais pour E2, mais pas pour Kix, tu vois. C'est juste ça. Et la position gêne, en gros, il essaie pas de jouer pour Kix. Kix, il est mort. Kix, faut se dire, là, c'est un 2v... C'est un 2vx, voilà, c'est un 2vx, et bonne chance. Je sais pas si... Frère, gêne, c'est tellement une position de merde, gros. En fait, pour réceptionner, c'est tellement de la merde, frère. Après, en fait, ouais, c'est ça. Ce qui me dérange, c'est que Kix, il a lâché. Si Kix avait pas lâché, tu te mets gêne. Et safe, il décale le contact. Un mec qui décale du screen, il a 100% l'avantage. Non, mais je te parle de si Kix, il a le. Kix, il a le screen. Ouais, c'est ce que je dis. Bah, frère, ça, ton problème. Non, mais.
T'inquiète, là, il a le screen. Ouais, mais voilà, après, c'est autre chose. Bonne chance. Ouais, push mid. Logan il fait un moins 2 interdit, je pense. Je pense qu'il fait vraiment un moins 2 qu'il a pas droit de faire. Comment il se passe ça là? Ouais, frère, oui, il faut. Attends, recule. Ouais, il fait quoi Trex tout le round là? J'ai envie de voir ce que fait Trex là. Pour... Bah, il garde le Jeep. Parce que là, Runner il meurt pour rien. En fait, il s'est positionné direct comme ça, genre il a allongé direct. Il y a moyen que... Non mais il s'est fait timing head, mais du coup dans leur tête c'est en mode il a pas pu cross, mais Il y a moyen que kick. Alors, il y a une erreur dans le round, c'est soit Trex... Enfin une erreur, je sais pas, mais c'est soit Trex il fait quelque chose... Il a knife la long B, hein. Il a commencé non, kick. Non, il l'a encore. Il fait quoi orange alors? Il garde le Jeep, je te dis, en gros il était en mode regarde. Il garde le Jeep en mode l'info Jeep... Ici, il y a un mec, les traits, tu connais. Après, il faut regarder sur mon stream, mais... Voilà. On va attendre, je vais... Trex, il nous fait une entre-deux, là. Oh, je t'explique. Attends. Ça. Ah, mais tu vas t'entendre. Ouais, c'est pas grave, tu t'en fous du son, de toute façon. Moi, je suis même pas sur Discord. Mais si, je viens. Mais en fait, Trex, là, Trex, le seul... Il garde Deep, c'est tout. Ouais, donc il nous a fait une entre-deux, là. Je peux pas se téléporter long B pour aider Sender qui joue retake dans tous les cas et dans tout... C'est à dire qu'il doit se commit dans le mid et là il est en train de faire un entre deux. Voilà. Ça fait 10 ans il attend. Il tire même pas très extrait. Oh, vas-y. Et là, pour moi là. Là pour moi il y a un assassinat backside là. Pour moi il y a un assassinat backside. Hein. Il fait moins 2, on sait qu'il y a un mec tube, l'autre c'est le joueur du A. Pour moi là, Sender a jamais le droit de rester en vie là. Pourquoi ils iraient le chercher alors qu'ils ont l'avantage numérique? 4v3 pistole et bah. Ils le tuent, ils auront l'avantage. 3... En fait, tu préfères un 3v2 ok. Et 4v3. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en prenant le fight, gros, et bah tu prends le risque aussi de perdre un avantage numérique, frère. Okay, alors mais... que 4v3 et tu poses le spike, fin d'histoire, frère, c'est okay. Tu joues la situation. Je vais te poser une question. À ce moment-là, là, le frère Amou Chicha. Pour Kitchen, il nous fait quoi là du coup? Bah, je sais pas, demande lui frère. S'il fight tout seul, c'est que, à mon avis, il comptait pas fight. Frère, ils ont mis le mur, y'a personne qui voulait fight, y'a que lui qui est parti fight tout seul. Pour moi, je te jure, tu punis. Je te jure, pour moi, une Viper n'a pas. Frère, on sait qu'il y a un autre joueur qui arrive mid. Tu vas prendre le risque de décaler. Le joueur, il est loin. Non, le joueur, je te jure, il est loin. Oui, il est loin. Il a fait un kill juste à côté. Mais frère, il l'a fait au tube. Il l'a fait dans le tube, oui, c'est juste à côté, frère. Regarde où il est. Il peut juste revenir en dessous du tube et avoir le cross de Sender. Voilà. Comme ça, il y a un mec qui garde la visu comme ça. En wall down, lui il peut rien faire. La Sage passe backside. C'est t'as simple. Vu, t'as vu toutes les. Bah, non, en vrai, c'est ta review, je veux rien dire. Mais, genre, toutes les interrogations qu'il y a, au lieu juste de se contenter d'un 4v3 post-plante. C'est quoi ton interrogation? On sait qu'ils sont 3 mid, on sait que Viper. C'est même pas une interrogation, c'est. Le risque, genre, est-ce que tu vas chercher le mec backside sachant qu'il y a un mec mid en cross avec lui et perdre des fights? Mais... Ou tu vas poser le spike, jouer le temps et jouer le 4v3 alors que t'as full stuff? Ouais. Le cross de Gecko, il est limité. Je te jure, il est limité. Frères. Depuis Undertube, mes frères, dis pas mes frères. Lui, il a juste une visu, comme ça, au pire des cas. Ce mec-là, okay. tu passes jamais par là, t'as déjà cross au niveau du wall le backside. Ok, tu vas le chercher backside en dur. Est-ce que t'as besoin de faire ce move? Il te garantit le round. Le 3v4, t'es pas garanti de gagner le round. Et le 4v3 te garantit pas de gagner le round. Je jure, 4v3 au pistolet, il te garantit pas le round. Frère, t'as le snowman, t'as le yellow, t'as la longue B, frère. Non. Je sais pas, surtout qu'on met. Tu dis on est full stuff. On swipe pas hein, depuis tout à l'heure, on est d'accord. Il y a eu le wall qui est claqué, il y a eu la mollo de BS qui est claqué, il y a une flash de BS qui est claquée encore. Ça veut dire que on. Regarde. La mollo elle est claquée avant que Nathan joue, la flash elle vient après que Nathan. Oui, parce que Nathan qu'il est en train de jouer. Mais frérot, il n'y a aucune raison de vouloir prendre l'espace ici. Moi je te dis, genre ma logique de jeu, il n'y a aucune raison. Moi je te dis, il y a un mec. Là, t'es en 4v... On va dire 3v1, vas-y, le Gecko, il est loin. Il y a un mec, il n'a pas droit... Pour moi, il est hors position.
Il est hors position et ton délire de cross, pour moi, il est pas valable. Parce que le cross, enfin, il a un cross, mais c'est un fake cross. Il est trop loin pour pouvoir aider quoi que ce soit. Vas-y. Tu veux? Écoute, tu veux? Ouais, je te dis, moi je te dis mon point de vue, quoi. Bon, là, il y a eu un délire de timing. Là, attention, il va faire de la Zumba Café aller-retour, c'est tout. Oh, l'écho, ça va le passer, hein. Ah, ça va être pour être... Non, en vrai, on échange, hein. Tu connais, hein. Tu vas pour le sub, David. En vrai, c'est chacun voit la chose comme il veut, hein. Attends, il a dit quoi, le mec boxe, tu vois, top wall, je vais solo. Non, pour moi, le wall, en fait, si tu le mets, tu le mets deep après avoir... En gros, après avoir fait ça, quoi. Après avoir fait ça. Genre, la sedge, elle est encore en vie, quoi. En plus, attends, il y a un truc, je vois. Je suppose que Nathan qu'il a... Nathan qu'il a full shield, tu poses. On a quoi en HP? Non, Logan, il est mid. Donc Logan, il est mort. Il n'existe pas. Oh, on a un mec à full shield, donc il sera pas one shot. Enfin, full shield. 0-25. Après, il y a le wall viper, mais le wall... Ah non, c'est quoi? Après, il a pris un dégât. En plus, il y a une Molo Viper qui est partie avec, je viens de réaliser, là. Mais tu sais que, moi, il y a un truc, je comprends pas. Je pense que l'intention de jeu, elle était vraiment d'aller chercher... Enfin, oui, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient l'avantage numérique, je pense. Je pense qu'ils... Enfin, ils l'ont pas fait juste parce qu'il y a le wall de Nathan, hein. Mais s'ils auraient voulu chercher... En fait, s'ils auraient voulu chercher le backside, ils auraient pas wall, frérot. Ben, c'est Nathan qui a wall, parce que... Là, il claque deux molos. Regarde, il claque deux molos. On entend la molo, parce que Viper, j'avais même pas entendu la molo. Et genre, Wellers, il attend, tu vois. En gros, Wellers, il attend bien... Ouais, moi, on connaît pas la strat. Enfin, on connaît pas la strat. Ça se trouve, c'est Nathan que c'est voulu qu'il soit en fait, boosté, qu'il décale sur la flash de BA juste après. Moi, comment je le vois, c'est que je pense le call initial... Parce que ça, ils l'ont beaucoup fait, je crois, contre KC. C'est d'aller chercher le CT. C'est en mode, ça, ils le faisaient beaucoup, et... Ça m'énervait que, justement, par moment... Genre, c'était tout le temps, on suit la strat, etc. Je pense que le plan initial, c'est ça. Et que, en fait, là... Ça veut, en mode, réagir sur le BP. En disant, ok, lui, il est hors pause, ça le punit. Sauf que tout le monde réagit pas, a pas la même... le temps de réaction et la même adaptation. Et Nathan qui est en mode je suis le plan de jeu, je mets mon wall comme on m'a demandé, tu vois. Je suis avec Brahms en vocal. Attends, du coup, il m'a dit quoi, le mec backside, tu vas chercher par le wall par le top wall avec du stuff. Mais ouais, non, le wall, du coup. Enfin, le top wall, c'est bizarre puisqu'il sera solo, du coup. Après, par contre, ça, je. Enfin, pour moi, là, c'est, entre guillemets, c'est la pire décision. C'est soit tu suis le chemin de Brahms, c'était en mode tu joues ton avantage, why not? En vrai, why not, tu vois. C'est pas un truc qui... C'est surtout que t'es dans un... Frérot, t'es dans un pistol round. Y a pas tout le stuff du jeu. T'es en situation de 4v3 after plant. Un crossfire snowman yellow, frérot. Comment tu veux perdre le round si tu fais ça? À quoi ça sert d'aller chercher des mecs qui sont dans des positions loin sur la carte et perdre ton avantage numérique? Mais pourquoi loin? Les mecs loin, eux, tu les calcules pas, le frère? Je parle de Viper. Mais il est denied d'un côté, frère, je te jure, il est denied. Oui, mais il y a le mur de Viper qui... Mais le wall de Viper, il est à nous? Oui, mais tu dois traverser ton propre mur, quand même. Mais tu wall down, ça lui baisse sa mère, frère. Oui, et le temps que tu wall down, t'attends le wall down, les mecs sous le tube, ils sont là à prendre de cross. Frérot, recule le round, tu vas voir à quel point ils sont rapides, frérot. Vas-y. Voilà, là, regarde où ils sont, là. Ouais, là. Mais regarde là, imaginons que tu wall down là, tout ça, et qu'ils vont pas à droite, hein. C'est-à-dire qu'ils vont, s'ils vont chercher la Viper, ils vont pas du côté de Sender, ils vont d'autre côté du défaut. Ah non, attends, toi tu dis par là, là? Ouais. Non, jamais de la vie, ils passent par là, c'est ce que je te dis par contre. C'est que si tu vas le chercher, c'est en mode sandwich par derrière. C'est pour ça que je te dis, le cross que tu dis, je le compte pas. Parce que tu vas le chercher de derrière, ici il y a les molos, il y a un mec qui garde off angle s'il fait trop le malin et décale...
Tu sais, depuis le jaune vers le backside, tu vois ce que je veux dire? Depuis le défaut jaune. Bah, si tu me parles de ça, alors y a pas de cross, frère. Y a aucun cross. Oui, c'est pour ça. Cross à gauche. C'est pour ça que je te dis en mode. J'ai cru toi t'as dit. Non, Ouais, non, 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 on non. sait que les deux mecs sont mid, faut aller vite réagir pour le tuer. Non, Du non, coup, tu le on réagis, mais rapidement depuis sur le le mid. backside. Il y a les molos. Et en gros, tu vois la flèche que je mets sur le stream? Tu viens chercher comme ça. Ici, il y avait les molos. Et juste sur le cercle que je mets, il y a un mec qui. Bon, enfin, tu sais, après, tu connais l'angle, tu vois, mais genre pour le backside, tu vois. Et au pire, soit il a lâché, tu mets le wall. Ouais, mais même moi, enfin, après ça c'est ma manière de voir, mais moi j'aurais joué Non, je l'avantage comprends, numérique mais quand je... en fait, moi, je suis trop dans un délire. Parce que pour moi, il n'est pas garanti à 100%. Un mec qui est hors position, surtout, enfin, dans une situation comme ça, on en fait pas de plus, backset, on parle avec tout le d'un. stuff qui est claqué, là, ils ont l'info CT, ils ont l'info de tout le monde sur la mobile. La Killjoy, ils savent qu'elle est out. Genre, en mode joueur du A, elle peut pas être là. Dans ce timing-là, elle peut pas être là. Et Gecko, ils savent qu'ils sont là. Donc, ça veut dire ils ont le temps de. Après, c'est vrai, il y a un truc qui aurait pu être dangereux, c'est que s'ils faisaient Mais la en rota fait, CT. ils ont aucune info de la Killjoy aussi. C'est Ouais, ça qui c'est ça aussi. Hein. c'est le seul truc où je peux te l'accorder, c'est qu'il y a ça, tu vois. Genre, en mode, il y a ce danger-là où. Bah après la Killjoy, tu sais qu'elle joue le A, donc Ouais, c'est bon. ça. Oui, mais si rota par le CT, patati, et que tu peux avoir un timing où. Quand tu vas chercher l'autre, mais. Je pense vraiment que là. Là où j'ai mis pause, là. Genre, il est mort. S'il est mort, sa grand-mère. Et tu sais que moi je déteste faire ce genre de truc parce que. C'est typiquement le genre de round qui te retourne une game. Parce que, en fait, toi, tu dis ça en fait dans la théorie où tout est bien fait sur le moment, au moment X, tout le monde s'adapte au best truc, etc. et tout. Alors que, souvent, enfin, moi, je vois le truc comme ça. Si tu assures le truc alors que tu as déjà l'avantage, et ben normalement, en jouant sans trop faire d'effort, et ben tu assures le round. Ouais, je sais pas Là, comment. ça demande que tous les mecs comprennent ce qu'ils doivent faire au même moment, etc. et tout. Bah là, tu dois avoir une réaction à 3, tu vois. Et genre en mode. Parce que Weller, tu En vois, par fait, exemple, il attend bien. En fait, tu comptes regarde, ouais. sur ton IG, tu comptes que ton IGL dise la best réaction instant et tout, alors que il peut simplement juste assumer ce qu'il fait et il a déjà le round en main, tu vois. Bah, Pas en sur ce fait, que je veux ouais, dire. mais en fait, du coup, si t'assumes, tu claques pas ce stuff-là. Pour moi, les doubles stuff, Ah tu vois, non, non, t'es. je m'en fous du stuff. Non, non, je m'en fous. Je m'en fous de la mollo et tout. Bon. Même le wall. Pour moi, là, je me serais déjà arrêté avec pas ses défauts et mettre le wall classique à la limite. Bon, j'abuse, tu vois, quand je dis ça. Mais juste prendre l'espace, poser et rester yellow et jouer l'afterplant. Vas-y, c'est. En fait, ouais, l'entre-deux, il est chelou là. En fait, L'entre-deux qu'on voit, il est trop bizarre, frère. moi je compare à Cassé, tu vois, sur plein de situations comme ça. Même si c'est pas fait parfaitement, en mode tu vois que quand il y a un mec qui est hors pause, ouais, ça le punit sa mère, frère. C'est jump pick, les deux mecs qui revenge. C'est ça l'âme. Ah, frère. Et là, en fait, c'est pas en mode il y avait Frère, moi je vais une. te dire un truc, hein. Ouais. Si on voit ça et que Sender il fait moins 2 et que c'est du 2v2, frérot, et après Gentleman, on va dire c'est des trollers, frérot. Ah. C'est très bien. Non, tu sais très bien, frère, que les rounds comme ça, il y en a je sais pas combien qui viennent. Bah, en Des fait, joueurs c'est. qui vont chercher des spawns CT sur Sunset en A et qui prennent moins 2 par un mec alors qu'ils ont déjà l'avantage dans le round. Après, tu vois, pour moi, c'est différent là. Pour moi, c'est différent. Enfin, tu vois, par exemple, ok, C'est tu vois, pas Sunset. totalement différent Ok, de ce que je vais tu. te poser une question. Tu vois le truc de l'avantage Sunset en. S'il Ouais. y a un mec, tu sais qu'il est stuck à droite, est-ce que tu vas le chercher ou pas? Attends. Sur Sunset en. Ça dépend. Même si Ça t'as un dépend. avantage. En vrai, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de. T'as pris combien de temps pour avancer sur le round, etc. Parce qu'il peut y avoir le danger du cross du mec à gauche qui vient, etc. et tout. Ah, il y a une one way, c'était. Mais comme tu l'as dit, en vrai, c'est pas la même chose que Sunset. Parce qu'il n'y a personne qui joue à droite tout seul, frérot. Bah, en vrai, non, Non, mais le mais. Il commence pas scénario à droite, non, lui mais dit écoute. bien évidemment, frérot, que tu vas aller chercher le mec à droite en A. Regarde, parce qu'en gros, moi, comment je le vois, c'est Et pour moi, il c'est va pas pas la même commencer son round à situation. droite en A, mais c'est en mode il est BP, il se repositionne, il est là-bas, tu vois. Ou tu Ouais, sais, non, mais whatever. tu te repositionnes pas là-bas. Mais bref, oui, dans ce cas-là, tu vas chercher le mec à droite. Ça, c'est un. Ça, c'est. Voilà. Ça, Ok. c'est. Non, mais ça, c'est même Non. pas. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Je suis d'accord avec toi, mais en gros, je dis voilà dans le sens où. Tu sais, quand tu dis il y a personne qui joue là-bas, tu sais très bien combien de personnes se repositionnent là-bas, tu vois.
Ouais, parce que... Bah d'ailleurs les gars, moi je vais bouger, donc comme ça Fatih va pouvoir continuer sa review. Ah bah Psyrtec, voilà. Non mais vraiment, je dois bouger. Ouais, bah c'est pour ça, vas-y, va au dentiste frère. Va te laver les dents frère. Vas-y les mecs, vas-y, ciao. Salam, salam. Voilà, il a foutu sa merde. Il a foutu sa merde pendant 10 minutes, on a parlé d'un round. Il a foutu sa merde et après, il a dit salam, je dois bouger. C'était Brahms les gars. Bref. Je suis content d'aller me faire foutre. Eh bah je vais aller me faire foutre frère. L'écho. En vrai l'écho on s'en bat les couilles non? Ah l'écho on s'en bat les couilles. Du coup les gars je sais pas vous avez dit quoi dans le chat. Côté elbow ou c'était A sur du coin que vous parlez. Ouais c'était A oui à droite là. Sunset, exactement. Bon. On est parti, round armé, il y a 3 low shield, ok on s'en fout. Y a... En vrai le bonus il est bon, 3 bulldogs, une vandale. Enfin 2 vandales, pardon. Ah il a dû passer TTH. Je pense que c'est le rôle en défense que tu parles, mais oui il est passé. Ok. Ils font un dépôt et il y a Logan de l'autre côté de la map, c'est bien. Hein. Ils ont fait tourner tout le monde. Est-ce qu'il y a eu un destroy de... Il a pas mis son stuff Oh Logan il a pas son stuff. Oh Logan il a pas son stuff. Ah Logan il a mis sa tourelle en B mais du coup ça lui a dit garde l'espace en A et du coup il a dû récupérer mais il a pas la tourelle, ok. Bon c'est pas, en vrai c'est pas grave, ça me fait rire. Ah le vertical sur Sunset je sais plus. Tu sais que, eh, voilà que quand il a dit il y a personne qui joue là-bas, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Parce que ça c'est un truc où on en a déjà parlé etc. Tu vois et ça m'a fait rire de quand il a dit ça, ça m'a fait penser où il s'est fait aftershock, aftershock stun. Oh bordel. Ah, calme, calme. Ah bah là safe là il joue à corde à sauter là. Ah bah mérité, la tête de moi mérité. Il a 73 HP, il refait le move. La tête de moi mérité safe. Cher. Cher non moque. Et là il y a plus de mollo, ils repartent. Par contre, ça c'est un truc que Mate fait beaucoup. Et pour moi il n'y a pas besoin. Hein. Ça c'est en mode Beaz, il a mis sa petite pression, hop, il met son couteau, qu'on appelle Mundir. T'as pas besoin, frère. Et là, ils le savent. Là, ils le savent, voilà. Ça, c'est le pattern, ils le savent. C'est lui, il était là. Direct, ils le savent. Ils savent que c'est... Ça c'est un truc, c'est, il le fait beaucoup trop, Beaz. Heureusement, Logan, il est un, corde à sauter. Mais ça peut être dangereux, hein. Ça c'est un truc, ça peut être dangereux, après, sur un avantage et tout. Et c'est un truc, ils ont pas besoin. Après, ils éteignent. Là, la différence qu'on cassait, c'est qu'ils éteignent. Ouais, mais bon, donc on y est fini. Hein. Là, c'est quoi l'objectif du round? Il y a une tourelle. J'ai pas trop capté là le fait d'avoir une tourelle comme ça là. C'est pas comme s'ils vont pouvoir jouer
take. Bomb grenade out. Et le slow rafters. Getting a couple of Sharon headshots. Starting to feel like I can smash heads again because that's what they know how to do. J'ai mis un wall CT, mais par contre faut pas aller trop loin. Ah, contre de l'écho là, mettre le wall CT, la deep comme ça, c'est bien. Juste ça peut être dangereux, mais c'est bien. J'imagine, Zé, j'ai dû expliquer certains call-out français. J'ai pas trop capté ce que t'as voulu dire. Bon, après, d'un autre côté, peut-être que... C'est juste que c'est pas la même manière de voir les choses. Ça je peux pas dire à la place des gens, tu vois, comment ils sont à 10-4, est-ce qu'ils sont encore lucides ou pas. Bah en fait ils veulent détruire le stuff mid quoi. Ils veulent détruire le stuff mid et en mode de mettre une pression à... Voilà, il met de l'headshot, il se fait du skateboard et tout, il a fait le décal 16 comme dirait Mike. Non, franchement, je sais pas, frère. Pas quoi dire, le frère. Allez, je vais mettre le début de round. Il y a quoi là? Trouver le killjoy. Et Logan, il refait la même chose. Hein. En fait, il n'y a même pas la smoke mid, hein. Il s'en bat les couilles. Mais soit, t'inquiète. Go, normal. Et là, en fait, ils allaient ulti. Ils allaient ulti, ils ont vu, il n'y a rien et que ça joue total retake. Oh la flash de Beyaz. Oh, c'est le round de Beyaz, ça l'enculé. Oh, miskin. Ah ouais, Sender. Est-ce qu'il est là depuis le début? Ouais, il est là. Sender, il sait qu'il y a un ulti gecko. Sender, il sait, hein. Il est malin. Il y a un ulti... Il y a un ulti gecko. Hop, on joue pas backside pour pas se faire punir. On joue sur le BP, top BP. Ils ont le CT. Et là... Oh, ils ont le CT, ils savent qu'ils ont le CT. En fait, là, le problème... Moi, il y a un truc qui me dérange. On en a un là, on en a un là, on en a un là, on en a un là. Mais là... Ah mais c'est parce qu'il s'est retourné. Je me dis pourquoi Safe il l'a pas vu. C'est parce qu'il s'est retourné. Ouais, comme il a dit Brahms hier, sa seule erreur, c'est que là il décale comme ça. Du coup il y a ce mur là qui gêne. Là. Et ça veut dire pour, en fait, là il a que le gecko isolé. Et du coup, il est obligé, en fait... Merde. Ouais, t'as pris un ban. Ah, désolé. Non, ça va, t'as pas pris un ban. Du coup, il strafe. Et là, au lieu d'avoir son deuxième, son moins 2 direct, il est obligé de décaler. Et du coup, il perd son avantage qu'il avait. Malheureusement. Il aura pu les éteindre. En fait, je comprends, il y a eu trop d'informations d'un coup. Là, le safe, là, mollo en main et tout, le frère, hein. Là, le frère, il a abusé, quoi. Et là, le round, il est fini, hein. Là, c'est round, val au plan, 5v4, on a un revive. They've got to know how to deal with this, otherwise it's over on map number one, and they're down their own map pick, Takas. Vous savez que Takas aura pu int le round, non? Là, Takas, pour moi, il peut int le round. Il meurt. Pour moi, le round, là, ils font un peu dans la merde, parce que là, ils sont un peu oppressés. Heureusement que Natank prend ses kills, hein. En fait, heureusement que Natank prend ses kills. Map 2. Map 2, Sage sur l'initiateur Kayo, qui peut être léger. En vrai,
peux trouver ça léger. Maintenant, je me dis peut-être Nathan qui joue pas. Kayo, je sais pas. De toute façon, là, en vrai. Ah, c'est bien, là, il s'est passé des bons trucs, là. I also think it's disruptive. That's what the Sage does. That's what Foot have done very well with the Sage on other maps as well. It's just making things. Viens-moi en rapport au fast-food, s'il te plaît. Pizza. Awkward. Voilà. Ok, pizza, vas-y. They're able to make it awkward yet again, but this time on the defensive side. Quick push coming out from Taka. Bon. Je vous le dis, les gars. Pistole cassée, hein. Pistole cassé, on va pas se fatiguer. Alors, très bon pistole, flash. Paranoïa, flash. On lâche, la nade elle est de trop pour moi. Je pense que la nade elle est de trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et là, essuie-glace à 4, j'aime bien là. Essuie-glace à 4 directement. Rien à dire. Il l'a empissé dedans. Il l'a empissé dans le cerveau. Ça le casse, ouais. Peut-être partir après. Ouais, 17h, ouais. Ah, y'a moins qu'ils soient un long stream. Hein. Moins qu'ils soient un long stream. Il se passe quoi avec la tank? Je crois qu'il s'est juste fait éteindre. Il s'est juste fait éteindre. Là j'aime bien. Là j'aime bien, ça chie pas dessus. Direct ça fait un truc, ça veut rééquilibrer, c'est bien. Là en vrai c'est bien ce qu'ils font. Là en fait ils sont dedans. Il y a qu'à 17h, fut Fnatic. Ou non, je crois, je sais plus. Attends, je vais te redire. Je vais te redire après. À ton avis, d'être prêt dès le début, tu vois. De pas venir en mode ah, on s'étire pendant la game. C'est on vient, on a l'esprit clair, on sait ce qu'on veut faire. Je pense que c'est ce qui s'est passé chez VM. Et que déjà, sur plein de principes, où ils faisaient les gros noobs avant, alors qu'on sait que des joueurs comme Beya, Stakas, etc. On sait que ces joueurs-là, c'est pas des joueurs qui vont faire des trucs comme ça en temps normal. Là, c'est voilà, tu vois. Wellers, on le demande de cliquer, il clique. Beyaz, on le demande de réfléchir, d'être proactif. Là, il le fait bien. Et chacun aussi, on demande d'être un peu, tu sais, genre, dynamique dans ce qu'ils font. Et c'est pas en mode, ah, il y a un truc, ok. Genre, en mode, hop, action, enfin, il y a une information, ok, action, réaction. Et ça en permanence. Ah, bien récupéré, bien. I want to see if Gentlemen's can do it, because if they can play the meta and then have those explosive comps, that makes a great team rather than one that. J'ai pas capté. En vrai, j'ai pas capté. Là, on a quand. Là, c'est le couteau de qui? Ah, c'est le couteau de Beyaz, ok. C'est le couteau de Beyaz. Là, je comprends pas pourquoi on claque pas. Tu le récupères dans 10 secondes anyway. Même si tu joues pas dessus. Là on fait rien. Là on fait rien. Il y a eu juste une smoke, palmarès, on fait rien. Ouais, je sais pas. Là on a perdu 20 secondes. Là, palmarès, on a perdu 20 secondes dans le round, là, côté Vitor. On a ni le main B, ni le main A, et on commence à peine à travailler le mid. Je pense que c'était pas du tout un avantage de faire ça. Depuis le top mid. Nathan qu'il aime trop les orbes. Après la wall là. Vous savez que je pensais que c'était Beyaz le plus gros croqueur d'orbes dans l'équipe. Beyaz il est un peu comme moi sur ça, on adore les orbes. En fait Nathan que c'en est un aussi.
pushing and probing around the map too much, potentially. Okay, bon, alors, en vrai, là, là j'étais bien content que Mate gagne, hein, en exemple. Ah, là, j'étais bien, bien content que Mate gagne. Et là, c'est quoi l'after plant là? Enfin, le. Vous savez que la blanc a sauvé Nathan vu qu'il voit la lumière jaune? Et là en fait, pourquoi ils partent un par un? Là, moi ma question. Attends, là je vais regarder Vitality. La nade est bonne. En vrai, la nade de Takas, elle est bonne. La nade de Takas, elle est bonne. En vrai, elle est bonne. En vrai, elle est bonne. Ah, il a enculé le round de Takas. En vrai, il a bien enculé le round. Le problème, c'est qu'il y a trop de stuff qui part. The smoke is a little bit too deep and Wailers is able to surpass it no problem at all. Still though, Vitality finding some answers running out. Ouais. Man is sent to put the spike down. Wailers. Ah là, on a entendu crier là. En vrai. Solid counter utility from Bayer. Well, someone else. Non, en vrai, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. I mean, looking at his team start to shake up. Prends Kicks, il veut pas claquer sa flash depuis tout à l'heure là. I'll be honest with you. I came up here earlier during the first game. Yeah. Ah ouais, c'est because this is the thing. Like people who don't know him from CS, don't know him from previous games. This guy was a mastermind and is a mastermind. Not only in just setting up counters and finding counters for his opponent. So I think that's je la verrai du bas en map avéré du ouais, mais faut qu'on gagne en fait, faut gagner une map pour être sûr. Les gars, les scénarios, vous savez quoi, les scénarios, je vais les faire tout à l'heure. Eh, je vais les faire, vous savez quoi, parce que j'ai pas trop envie de jouer à Valorant, je vais les faire en stream. On va s'amuser à faire des calculs mathématiques après le BO là. Là, mathématiques, on va pas faire des pourcentages, mais on va faire les scénarios. First blood here, but you're right. Salah must have grown up looking up to coaches like existence, right? Genre mettre scénario de qualification 2 cassés, scénario de disqualification. Si on mine 2-1, 2-1 de qualification. On a même pas besoin de gagner 2-1 pour se qualifier. On a déjà gagné 2-1 suffisamment. Genre on a déjà perdu nos matchs 2-1-2-1 normalement. Ah je sais plus, en vrai je sais plus. Yeah, I believe Salah is still the youngest coach in VCT EMEA right now. 23, 24 years old, something like that. In Rifles Against the Pistols. Ah les gars en France, les gars en France, on a trop d'ego pour avoir un club ami quoi que ce soit, je vous dis. Moi je dis on, je parle pas de casser, je parle de à cette échelle là, on est français en général. Genre il peut avoir des alliances par événement comme là, Mate Vita, au vu du contexte de Vita, de ce qui s'est passé, au contexte que Mate nous arrange de baiser, de fait qu'il gagne contre Vita et tout. Et je pense que c'est juste une question de temps, les frères. You can only from CS don't know from pre-working counter because they have last time. En vrai les couilles, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles? Bah on s'en bat pas les couilles puisqu'il est perdu le round. Ah, attendez. On se refocus sur le round. Qu'est-ce qui se passe? Couteau. On détruit le wall, ok. Retour à Boomba. Mais j'ai l'impression Vita sont très lents dans leur décision de ce qu'ils font sur la map. Et j'ai l'impression que c'est très horrible l'IGL de Sender. Désolé Sender. Mais j'ai l'impression c'est pas assez fluide, c'est après, on fait ça. Et que les gens, j'ai l'impression, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Et du coup, le temps de s'adapter et tout. Logan, comment il meurt? Oh Logan, il meurt. Comment il meurt? Ah, la flash qui est timide. La flash qui est timide. Je sais pas comment elle a pas blanc, mais...
But you're right, Salah must have grown up looking up to coaches like Existence, right? He's definitely been around for a while. But this is Gentle Mates restoring what should already be the status quo. Superiority in this round. It is, after all, rifles against the pistols. But yeah, I believe Salah is still the youngest coach in VCT EMEA right now. 23, 24 years old, something like that. And Existence, he's been around for a long time. Yeah. 30 seconds left. I was watching him before I got into esports, so that's all you really need. Long time. Yeah. 30 seconds left. It is restoring. Ce qui est bien, comme je disais, c'est que quand, surtout en écho, quand ils perdent quelque chose, quand ils perdent quelque chose, mate, directement ils rééquilibrent. Direct. Là, il y a un move mid, on fait moins 2, ça là, on relâche. Mais ça, j'aime beaucoup, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup déjà faire, moi. Et là, j'aime beaucoup qu'ils le fassent. Existence, he's been around for a long time. Yeah. 30 seconds left. I was watching him before I got into these boys. Là, so you really need to know. Là, les gars, faut sortir avant le trap. Nothing to add to that. Paranoia, it's gonna get them in. That's the main thing. Get into the after plant. A trip doesn't look like it's been broken though, so falling back might actually be a bigger problem. But with the weapons they have, you expect aggression, safe. Ah, après, mettre des patates. En vrai, mettre des patates. It became durable, that's what happened. An attack in the street. Find the pieces, Bayaz has to save it. The IGL of Gentlemates looking to save it. Ah, Miskin sans sensi. Miskin, il a pas de sensi. In approach, kind of getting a leadership role in there. Fatherly approach, I'd say. But is it enough to put Vitality in? There are guns to work here with Gentlemates, and they've got a trap. Don't lose to a Bucky, please. Well, it's Natank. Nana tank on the wing, and he will succeed with a first kill. Wayne is there to back it up. Replenish yourself with some health. He's still there. And he's still alive, kicking, breathing, and may want to go for another fight. Alive, kicking, breathing, and... En vrai, je pense que la cage de Wellers a baisé le... En fait, une smoke aurait été bien, une cage, en fait, par-dessus, ça le voit, etc., il peut pas repartir. Il a voulu bien faire, il a voulu bien faire. Et du coup là, ça isole un peu le duel, etc. Ici c'était stylé ce qu'il a fait Logan. Takas. Ouais, là il est... Il a bien enfermé, bonne réaction. On the wall ou on the wings? He's got the one way to sort of give him a little bit of extra space. He also has backup from Bayaz. He's gonna know that safe is on the other side. Can the safe hit another wonder shot? No, he can't. That's gonna be the opener they were looking for again. And right off the can the safe hit another wonder shot? No, he can't. That's gonna be the opener they were looking for. Bref, on va le chercher parce qu'il casse les couilles sur son contrôle-là. Gentlemates, really good. C'est bien, on le fait à deux. One way, on joue sur la one way. Ils peuvent pas jouer, il y a un wall top mid. Ah, ils sont baisés, frère, ils sont juste baisés. Et là, le call regroupe, il est bien, mais... Enfin... And may want to stick around for more. Runner does have the rifle and eventually puts it to use, but Gentlemates are already reacting to this. Yeah, they got the information off the back of the knife. Got to be a little bit careful though. These solo fights when rifles have now been retrieved definitely makes this round a little bit more dangerous. The cavalry is slowly arriving though. It really has, but Vitality... Là, Natank, la cover de Natank qui gagne le round. Juste le fait que Natank prenne le premier kill, ça fait gagner le round. Parce qu'après, il y a un jeu de trade de partout. T'as lâché ta casse. C'est vrai que ta casse, j'ai pas fait gaffe comment il meurt. Une seconde, 5, 2, 3. Ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien après. When rifles have now been retrieved, definitely makes this round a little bit more dangerous. The cavalry is slowly arriving. Il a encore tout son stuff, je me dis, il veut faire un kill, il les bloque. Ouais. En tout cas, t'as raison. T'as raison dans ce que tu dis. Là, je parle humainement, je comprends, tu vois. Mais ouais, ça aurait pu faire glisser le drone, objectivement. Et là, vous voyez tous ces scams là, wall boost et tout. Et là, faut lâcher. Là, Takas, il veut pas lâcher. Hein. Ouais, c'est
And Gentlemates, just like that, again, find mini advantages here and there. And even though Vitality have got everything to their disposal, they feel threatened, they feel hurt, limping their way towards this B site. Ron Logan, sa pose, elle me fait tellement peur. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils s'en battent les couilles que c'est du B, hein. Ça reclaire le mid. En fait, ils font pas les pigeons. Ils font pas les pigeons en mode, ah, c'est du B, on fait ça. Ah, c'est du A, on fait ça. Eh, on reclaire cette zone. On s'en bat les couilles de tout ce qui se passe ailleurs. Reclaire mid, salam, frère. Ça joue, c'est tout. On les trappe un peu plus, mais c'est pas grave. Là ça reste parfait. Là c'est un vrai GGN hein. Et juste Logan il va pas à mourir cet été. Ah carrément il va même pas risquer. Je peux comprendre. Il est late et tout. Ouais. Juste ils reprennent pas, juste ils gardent leur visu, ça là. Et ça qui est les BP. Ouais, ils savent pas. Ah, parce qu'il peut passer CT, ok. Bon, de toute façon, ça l'a. Discipline, rien à dire. Oh, il veut jouer un peu. En vrai, il joue pas tant l'impression. Ouais. Ouais, le problème, c'est qu'il y a trop de frustration là dans ce qui se passe. C'est que. C'est qu'il y a trop de moves bizarres, tu vois. Il y a trop de moves bizarres de. En fait, chez Vita, en plus de perdre les runes, il y a trop d'actions qui t'ont envie d'enculer ton écran. Et là, c'est. En fait, attends, je vais reparler de l'agression, quand même. C'est qu'ils font une double agression. Takas, il a un revive. Bon, enfin, Nathan, il a un revive. Et le wall, là, il est bien pour extraire. There's no freaking way, and this time Tak has not really spotted. Not quite sure if that was the same from a tank, but still, they keep on winning these fights. I can't believe it. Et là, le wall et tout. Yeah, I guess Kicks must have just not seen anything. Et lui, il se précipite pas. Hein. Il se précipite pas, il prend son temps. But Vitality have got to feel infuriated. That's their entry. That's runner gone. Est-ce que Beaz il a claqué une flash? Ouais, Beaz il a claqué une flash pour qu'il extracte. Alors regardez, la flash elle part, hop. Il extract, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien. S'ils volent leur rune, ils partent. C'est bien, ils arnaquent. Par contre, là, Logan, on fait peur. Je sais plus ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. En plus, je me rappelle maintenant, hier, j'avais dit Logan. Ça va être bizarre ici. Moi, ma question, les gars, c'est est-ce que cette mollo elle est voulue? Chaud devant. Ok, on a rien moins que ce voulu. Et en vrai, pour décaler là. Ici là. Là. Là pour à dire. Là. Bon. En fait, soit là, mais genre si t'es avancé comme ça, tu vois. Y'a personne qui fait ça, tu vois. C'est bon. En fait, je vois pas dans quel monde où il veut la mettre là-bas. Ah, peut-être il veut la mettre. En vrai c'est 50-50. Hein. En vrai, c'est 50-50. Parce qu'il y a. Merde, y'a moins qui veut. Y'a moins qui veuille la mettre au niveau de la mollo. C'est bon. En vrai, je. En tout cas, ça l'a tellement baisé, ta casse. Et Logan, en vrai, la pose de Logan. Elle est sus. C'est bon. Bon soupçon, les gars. Oh, c'est ce round là. Alors, écouteur, je sais pas du tout c'est quoi. En tout cas, il a pas de chance. Hein. Là, les gars, safe, il va faire 3K dans le round, 5K dans le round, mais il a perdu le round. Voilà.
Ah ouais, il joue bien. Il est vraiment malin, ce bâtard. Vous savez que Kick... Vous savez que Kick, ici, il doit pas mourir, hein. Vous savez que Kick ne doit vraiment pas mourir, hein. Kick reste en vie, le round est gagné. Is there enough time? I'm not quite sure there is. Yeah, oh, there is. There's plenty of time. And Gentlemates will be securing themselves yet another round. Man got 5 kills and still lost the round. That's got to be one of the most brutal things ever. He would have had to get a 6k to take that one. The bonus ace would have been needed for Safe to be able to get that. And it's, the thing is, it started with such a strong... performance from the side of Mates, aggressive positioning, good clearing off utility, and then this man just went absolutely ham, but it wasn't quite enough to get things over the line. Vitality, they're going to take their second pause within this first half, but the fact that it came down to Safe needing to pull out a miracle kind of shows the spot that they're in. I mean, we're starting to see individuals shoot back. We're starting to see some positives from Vitality, but... Mashallah, il parle beaucoup. Vitality gets something going in their favor. Yeah, they've got Safe. Benji Fishy said it. The odds. Takes a 1v1. Un petit coup. Non, c'est des écouteurs qu'ils ont, mais je sais pas c'est quoi. C'est des écouteurs qu'ils ont, mais je sais pas c'est quoi. C'est des intras, mais je sais pas c'est quoi la ref. Ah, Vita se fait tarter par mais toi. Comme il faut, bien mérité. Putain, c'est fou, à la fin, je veux tout le temps que Vita perde. On s'y retrouve toujours. Hein. On s'y retrouve toujours finalement. En vrai de vrai. Ah, c'est un baiser. Vous savez qu'il est même pas naïf. Je crois qu'il est même pas naïf totalement de ça. Parce qu'il attend son collègue pour décale. So they can get themselves the orb. So this time they try and play on top of it. They managed to take down Safe. Now obviously the trades have really seen a round look competitive. Vitality though, it's a pace. Oh, Logan, il a éteint. Again, it's a risk play from Logan. Allez, alors on y est fini, hein. Ouais, il se passe quoi là? Ouais, il se passe quoi là? Du coup, il y a la retake. Moi, j'ai une question. Ici, il y a quoi qu'on flash? Ici, il y a des flashs de Trex. En fait, là, pour moi, dès lors qu'il y a la one way, il y a double flash qui devrait partir. C'est en mode comme ça, comme ça, de Gecko et de Trex. Et ça décale. Et là, ça décale large. Mais bon, là, ça demande beaucoup d'organisation. Et du coup, ils ont le temps de se faire... paranoïa. Ouais. Et le stuff il est late du coup, puisqu'il envoie la... Il meurt flash en main, je crois. Ah, en fait, ils ont... Ouais, c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce qu'ils ont voulu faire, mais du coup, un peu late. En fait, dès lors qu'il y avait la one-way, ils auraient dû faire ça. Comment? Je sais pas, je peux pas te dire. J'ai pas... Je sais pas, je peux pas te dire honnêtement. Non, ouais, ouais. Et là, ils savent que Safe, il est beaucoup trop à l'aise en A, là. Du coup, ils vont venir le punir. Mais en vrai... En vrai, à chaque fois, ils sont en deny... ils sont en deny ici. Mais... En fait, dès lors qu'ils ont l'info qu'il y a un contest A... Voilà, salam. Ah, Beyaz, là, il voulait, hein. Là, il voulait, ce bâtard, hein. Heureusement que ses potes, ils étaient... No one has been running a battle sage. The tank is a battle sage. He is a duelist that just happens to have a heal. Il coûte 800 balles, je crois pas, hein. Je crois pas que c'est des écouteurs à 800 balles, le frère. He's not just your healer. That's the advert. Should be a next line of the Nana tank song. Petit take, bah... Ouais, mine de rien, ça l'a permis de relancer. Et là, le seul round où il est pas contest. En fait, là, ça gridait le stuff. Là, en fait, il est en circle jump depuis tout à l'heure, activé le mur, il passe.
backs out. He's been sent on a mission, a solo mission. Oh, il doit tellement être puni. Je pense qu'il a mis un timing de baiser à Logan et à... Ah, Nathan, qu'il a mis un timing aux deux. Non. Non. Non, 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 non. Non, il y a le petit Gecko. En fait, mettre de la flash alors qu'il peut pas jouer dessus. Et en gros, du coup, Beaz, il met l'ulti trop tard parce qu'il est flash en main et l'ulti, il est pas instant. Je vois un truc. En fait, là, il est ulti. Ouais, le tick, en fait, il est trop... L'ulti, il le met que maintenant. L'ulti, il le met que maintenant. Beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. Voilà, le round salam. Mais ouais, c'est vide, hein, vite. Hein. Là, ils mettent le deuxième round, c'est quoi? C'est... Palmarès, safe, il met un timing à... Nathan qui est Logan, tu vois. Après, il le provoque, le timing, mais vas-y. Ah, Wailers en repose. Wailers en repose. Wallbango, Vandal et tout. Et là, il y a tout le monde qui est décousu. Le round, si... Ah, mais attends, il... Attends. Ah, ce round. Oh, Starfall là, ce round. Oh, Starfallah. Hop, Trex qui monte sa tête. Il est en arrivée. De 4v1 à 3v2. Hop là. On a... Encore la smoke. On a la molo. On a une molo. La bombe elle tic. C'est mathématiquement impossible ce qui se passe. Ah, c'est des enculés, hein. Ah, c'est des enculés, hein. Ah, ils méritent de perdre, hein. Ah, ils méritent de perdre, hein. Tu crois quoi, toi? Tu crois quoi? Il est comme ça, tu crois... Regardez ces WAD. Tu crois quoi, toi? La bagarre mid, hein. Bagarre mid, j'ai rien à dire, c'est un 3v3. Il la met en plus, ce round. Je sais pas si Logan a vraiment besoin de l'espace. En fait, ce qui me dérange, c'est que Logan, il a encore sa flash. En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est Logan qui aille. En vrai, pour le coup... Que Weller s'y porte, ça me dérange pas. Mais Logan, il a full stuff. Le Amazing Wall, c'est quoi? Bah, en vrai... Je sais pas, peut-être je suis trop... Là, ce que je vais dire, c'est peut-être parce que je suis... T'as capté, je suis à la maison. Et que voilà, j'ai le wallhack et tout, mais... Pour moi, il y a un wall, il y a un danger où il peut être potentiellement sur un wall, il y a un mec qui tire pas. Et là, Trex, il a arrosé, salam. Voilà. On attend que la terminer. Ah, par contre, je vous dis, Sage, j'ai trop la... j'ai trop la flemme de jouer contre Sage sur Sunset. La tête, j'ai trop la flemme. Ah, ça décale, hein. C'est tout. Hein. Il se passe quoi, là? C'est un bonus? Bon, Runner, je pense que... En fait, pour là, je vais donner mon avis sur Runner, après toutes les games que j'ai eues, je pense que c'est un joueur banal, quoi. C'est un joueur...
C'est vas-y quoi. C'est un joueur vas-y quoi. Là, il fait pas de. Ici, il a quand même des petites conneries, mais. C'est pas en mode t'as envie de te tirer les cheveux, mais. Pour moi, il apporte rien. Sarr, pour moi, il apporte rien. Donc bon. Et le problème, c'est que Kix. Kix, je le connais un peu plus en tant que joueur, tu vois. Et. Voilà, là, malheureusement, c'est ça va pas quoi. T'as parlé de Wood Chiretix? Non, mais il est très fort. Tu parles de qui? De Kix ou truc? Bah là, Kix, ouais, il est en mode vas-y, là, c'est dur quoi. Ah là c'est juste qu'ils essaient des trucs de fou, il y a le Wall Viper et tout. Ah ouais ils peuvent racheter. Là il y a quoi dans le round là? Flash Elbow. Flash Elbow mais ça joue pas dessus. En vrai, la compo de Mate, elle est très forte pour split, hein. Comme ça, vous savez. Si tu split quelque chose, c'est très très fort. Et je pense que c'est le plave, là. Mais là, moi, je trouve ça dommage que ce soit Nathan qui soit en premier. Le fait que ce soit Nathan qui en premier, il encule le round. Et après, bon, eux, ils font leur move. Mais ça t'accasse d'être premier, là. Putain, on va se jeter sur Red Devil's Rock. C'est pas impossible, hein. Pour le coup, ils sont en perma recherche de. Ils sont en perma recherche de Ziwo de chaque jeu, je sais pas quoi. Et là tu le casses même pas le wall, hein. Les gars, vous le cassez même pas le wall. Mais pourquoi vous le cassez? Pourquoi ils veulent casser le wall? Mais tu le casses pas, frère, tu t'en bats les couilles. Tu repars comme un voleur. Si, si, ils ont capté. Le gars, il va rester. J'avais même pas remarqué ce round, par contre. Là, vous savez que safe, le fait qu'il. Enfin, la mort de Beyaz a carré le round. Voilà, comme ça, vous savez. La mort de Beyaz a carré le round de Logan, parce que Logan, enfin de Mate et de Logan accessoirement. Parce que s'il n'y avait pas ce contact à ce timing là, il allait se faire check. Ils sont pas allés check pour aller descendre leur pote. Non, ouais, il y a un trap, tu t'en bats les couilles. Hein. En fait, il y a la smoke, moi ce que je comprends pas c'est qu'il y a la smoke. Ça veut dire ils peuvent pas cross la smoke tant que le trap est pas détruit. Et ils jouent dedans. Ouais. Ah, de toute façon, ça a give up. Hein.